Kane, on l'a porté ici. Et même ce Trump lui-même, il a soutenu John McCain. Paul Ryan, Renzi Prius, j'en passe, et les meilleurs. Tout ça, ces gens-là sont partis de l'establishment. Qu'on en garde un ou deux, les moindres, bon, mais là, on se trouve avec quelques problèmes. Je crois qu'il a compris et que maintenant, il va ou les mettre dans la domination ou alors les renvoyer à la maison avec une pension. Ça, ça lui c'est bon. Ça y est. Bon, eh bien, je vais conclure sur une note d'optimisme. Et je vais conclure en vous disant, ne vous, surtout, fermez vos télévisions. Fermez les télévisions, laissez les journaux, les grands journaux à la poubelle, parce que si vous coupez l'audience des télévisions, elles vont automatiquement disparaître. Et pour la France, si vous voulez un conseil, moi je le conseille d'aller directement demander aux Français ce qu'ils veulent. Au moins comme ça, c'est beaucoup plus facile. La France, un tout petit pays, c'est comme le Texas. Vous pouvez aller de Paris à Marseille dans la journée, vous pouvez faire 5 ou 6. Alors, si vous voulez, l'avenir est entre vos mains. Alors essayez que la France ou le Moyen-Orient, c'est la même chose, ok? L'avenir est entre vos mains. Après tant de destruction et tant de malheur, et tant de morts, et tant d'assassinats et tout. La seule chose que je voulais vous dire aussi, c'est que M. Fertin, j'ai oublié ça, et ça je vais rectifier, c'est que M. Poutine et Trump ont aussi quelque chose en commun, ce sont deux chrétiens. Donald Trump est un chrétien. Il défend les chrétiens. Monsieur Poutine est un chrétien, il défend les chrétiens. Bien qu'on nous raconte des histoires de grégoire au sujet de M. Poutine, il est chrétien. Donc ces deux leaders mondiaux doivent ramener la paix. Et j'aurais voulu partir avec une note d'optimisme.